Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Another Code Recollection. J'espère que vous allez bien. Nous allons dans cet épisode continuer notre aventure bien évidemment avec Matthew et le téléphone qui sonne. On va répondre. J'espère que Matthew ne va pas faire des bêtises puisqu'il a l'audace avec lui. Et que ce coup de téléphone n'est pas un coup de Trafalgar. Hello? Allô? Ashley, c'est toi? Jessica, Jessica. Comment se passe ton séjour? Notre tante, incroyable. Pas trop mal, on va dire. Tu devrais sortir et profiter. Ton père est là? Il est au labo, il y a eu une urgence. Je vois. Est-ce qu'il a dit quand il rentrerait? Non, il n'a pas dit grand-chose, comme d'habitude. Pourquoi ça nous montre là-haut? D'accord, je te rappellerai plus tard. Et il s'est barré. Ah non, ça va. Oh, ah, ça marche aussi. Ashley. Pourquoi est-ce que le DAS a fonctionné avec Matthew? Bizarre. Chapitre 4, le secret du lac. Ah, on rentre directement dans le sujet là. Qu'est-ce qu'il y a? New feature installed, water quality analysis. Bah parfait, c'est la nouvelle fonction installée, analyse de l'eau. Regarde, bah c'est pratique ça. Wow, qu'est-ce que c'est? Une fonction d'analyse de l'eau. Je crois qu'une nouvelle fonction a été ajoutée. Alors, notice de la fonction. Le DAS analyse les propriétés de réflectance des spectrales des liquides et affiche ensuite le modèle moléculaire des composés présents dans ce liquide. De plus, cette fonction peut comparer ses composés aux autres modèles moléculaires enregistrés dans le DAS. Le DAS, modèle moléculaire enregistré polluant. Ok. Ça veut dire quoi ce charabia? Ouais, c'est un peu compliqué. Mais je crois qu'on peut analyser la qualité de l'eau avec le DAS. Alors on peut enquêter sur la pollution du lac avec ce truc? Mon père a inventé des tas de fonctions pour le DAS, hein? Pourquoi tu as enquêté sur la pollution? Est-ce que c'est un rapport avec la venue de ma mère il y a 13 ans? Et peut-être bien, oui. Viens, Ashley. Peut-être que la disparition du père de Matthew, c'est la même raison que pourquoi la GC Valley a demandé à tuer Sayoko. Hein. Parce que c'était pas clair, hein, quand même. Bill qui la tue, c'était un peu... C'est pas que forcément de la vengeance ou autre, quoi. C'était plutôt, c'est ce qu'il disait, Sayoko les a trahis. C'est-à-dire que la GC Valley, elle travaillait plus forcément pour ou exactement, quoi. Utilisons le DAS pour enquêter sur la pollution du lac. Il y avait un truc louche, en tout cas. Ok, je vais essayer de t'aider. Merci. Où est-ce qu'on devrait aller prélever de l'eau du lac? La plus simple serait près de la statue de la sirène. Entendu, prenons le DAS et allons analyser l'eau. Bien, let's go alors. Ta-da-da-dam. Le village. Barrons-nous. Où se trouve la statue de la sirène déjà? Bah, près de la... Faut que je parte par là, hein. Près du clocher, voilà, hop. Ah ah, bonjour vous. Bob's Food, bah ils ont mis de la pub justement. Chez Bob. Grande spécialité du lac Juliette, le croque saumon. Tournez à droite au rond-point. Oh, ça a l'air trop bon, je devrais goûter. Bonjour, vous. J'ai regardé la pub avant de... Ça serait peut-être plus visible ici.
Ça a l'air délicieux. Ouais, carrément. Salut vous deux. Le sandwich que vous voyez là est une spécialité du Lake Juliette. Vous devriez goûter, le resto est juste là. C'est le restaurant dont parlait papa. Mon père a dit que je pouvais commander et que ce serait ajouté à sa facture. Une ardoise, hein. Tu serais pas la fille du professeur Robbins, toi. Si, c'est moi, Ashley. Ashley, mais bien sûr, il m'a causé de toi. Il m'a dit de bien m'occuper de toi et de ton pote si vous passiez. Je m'appelle Bob, ravi de faire ta connaissance, Miss. Bonjour Bob Fox. Enchanté Bob. Viens me voir quand tu veux. Entendu, je serai dans le coin. Entendu, merci. Aha. Bon, on ira se faire à manger. On ira chercher un truc à grignoter. On va prendre de l'eau d'abord. Est-ce que j'y vais là ou vaut mieux être au niveau de la statue comme ça? Hop. C'est là. Ouais, ici c'est pas mal. Trouve de tout d'abord de l'eau, un lieu idéal. Puis utilise le DAS pour analyser l'eau du lac, pour scanner l'eau, ouvre l'appareil photo, ok. Par ici ça devrait le faire. Allumons le DAS et scannons la surface. Alors, appareil photo du coup. On va regarder les personnages d'abord. Pourquoi John a eu une mise à jour? En parlant avec lui, j'ai pas eu le sentiment d'avoir affaire à un mec dangereux. Ok. Des mises à jour sur tout le monde là. Agent polluant inconnu de toute évidence, disparu lorsqu'il essaie de comprendre ce qu'était ce polluant. Eh oui. Courage, Mathieu, on a découvert que ton père était innocent pour la pollution du lac et je suis sûr qu'on va trouver d'autres indices. Ok. On a Bob qui est la propriétaire du restaurant chez Bob. Il a vraiment l'air sympa, j'aime même la façon dont il parle. Eux, ils sont pas dans une famille en particulier, donc ils sont juste posés là. Évidemment, Ashley s'est mis d'accord qu'on passait la journée à chercher, mais que si on ne trouvait aucun indice sur son père, Mathieu retournerait chez lui pour l'instant. Au cottage de papa, on a lu la disquette, on l'a trouvée dans la mallette de Michael, et elle contenait un rapport qui disait que le lac aurait été contaminé par un agent polluant inconnu. Yup. Ça, c'est bien pour un résumé, pour se retrouver des infos, mais... Quand on vient de le lire, c'est pas forcément nécessaire. Je vous mets les textes si vous avez envie de... Pourquoi par contre, Elisabeth, il y a eu une mise à jour. Un méprisant, il accuse d'être le fils directeur. Franchement, jamais je ne pourrais devenir ami avec Elisabeth. Tommy, pourquoi il y a une mise à jour? Je ne sais pas non plus. Perdu le baladeur avec la démo qu'ils avaient enregistrée pour le concours. Ça, c'est triste. Allez, on va analyser l'eau un peu. Hop. Scan en cours. Scan terminé, eau du lac scanné. Alors, analyse de l'eau, affichage du modèle moléculaire du polluant inconnu détecté dans le liquide. Comparaison avec les modèles moléculaires enregistrés. Essayons de comparer les deux substances pour voir si ce sont les mêmes. Et si c'est le cas, alors ça voudrait dire que le lac est pollué par ce truc. Alors, faire piloter le modèle moléculaire jusqu'à ce que le bleu surpose parfaitement avec le rouge. Ça me rappelle... On va dire les clés dans Skyward Sword, ça. Les clés des boss. Lance analyse. Ça me paraît être bien là. Terminé. Pollution détectée. Sûrement le polluant inconnu du document de ton père. Si on détermine ce que c'est, on pourrait savoir d'où ça vient. Et on pourra aussi retrouver mon père. Mais comment on pourrait identifier ce polluant? J'ai pas très bon espoir pour retrouver ton père, Matthew, quand même. On pourrait fouiller l'ordre de mon père. Gouvernement d'estomac. Non, on va aller manger. Je connais quelqu'un qui a un petit creux. Ouais, je meurs de faim. Allons faire un tour au restaurant. Et tu peux commander ce que tu veux, c'est mon père qui paie. D'accord. Il va prendre 25 burgers. Non, les crocs au saumon, ils avaient l'air bons. Ça, je suis bien d'accord. On est d'accord, ça avait l'air pas mal, ça. Hein. On va aller se goûter ça. Puis ça va me donner faim, parce que je commence à avoir faim, moi aussi. Ah. Zut, il va y avoir Dan. Ashley, regarde. Montre-le du doigt.
Ah non, c'est Monsieur Lunette. It's the sunglasses Le type aux guy. lunettes noires. Oh, come on, Matthew, Matthew. sérieux. Tu pars où? Va se mettre derrière les poubelles pour écouter ce qu'il a à dire. Chut, regarde, il y a une téléphone à quelqu'un. Prends son enquête très au sérieux, Matthew. Hey, Yann. Oui, c'est moi. Encore des ennuis avec le système. Comment ça, Yann? Professeur Robin s'est retourné au labo, vous dites. Vous avez trouvé le document en question? Ah, c'est fâcheux. Non, il est forcément quelque part. Combien de fois dois-je vous répéter que le domaine Crusoe n'est rien responsable de la pollution? Entendu. Je vous recontacte très bientôt. Bah, il cherche le document lui aussi. J'étais certain que le document était à JC Valley. Mon enquête est dans l'impasse. Oups. Je crois qu'il nous a vus. Non, sans deck. Il s'enfuit, poursuivons-le. Quoi? Eh, mais t'es pas censé avoir faim, toi? Bon ben, Matthew, attends. Ah bah, c'est un peu tard, là. Elle court pas assez vite, Ashley. Enfin, c'est plutôt les autres qui courent très vite. J'avais faim, moi. On va se prendre un paquet de chips, hein. Bien, bien croustillante comme je les aime. C'est quoi ce goût? Sel, pizza, crème? Je sais ce que c'est, mais ça me plaît. Je sais pas ce que c'est, mais ça me plaît. Ben voilà, hop. Et une petite canette. Là, il faut se donner des forces. On dit qu'elle boit ça en mangeant. Hein. Et en courant. Saveur ananas, ultra rafraîchissant. Canette bleue, produit jus d'ananas, drôle d'idée. Ça, c'est ouais, drôle d'idée, ouais. Ça, pour le coup, drôle d'idée, ouais. Allez, zou. On a un speed boost accélération. Bah. Ça sent le cimetière, ça. Bah, Matthew, enfin. Pour s'en réfléchir. Où est-ce qu'on est là? Ashley. Ashley. Pin, 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 pin. Tu as espionné ma conversation téléphonique, n'est-ce pas? Vous le saviez. Bien sûr, je suis agent spécial, tu sais. Qu'est-ce que tu as entendu exactement? J'ai tout entendu. Vous parliez du domaine Crusoe. Le domaine Crusoe, c'était l'entreprise du père de Matthew. Attendez, le père de Matthew. Vous avez des infos sur lui, pas vrai? Allez, racontez-moi. Vous enquêtez sur ce qui s'est passé ici il y a 5 ans. Et le père de Matthew est impliqué dans l'affaire, pas vrai? Souviens-toi de ce que je t'ai dit à propos de certaines vérités. Laisse les adultes gérer la situation. Et c'est valable aussi pour Matthew, bien compris? Plus que lui, tu meurs. Mais il a piqué ma curiosité. Lui aussi semble enquêter sur JC Valley. Quel lien y a-t-il entre le domaine Crusoe et JC Valley? Tout le monde ignore où est le père de Matthew ou qui a pollué le lac. Là, JC Valley, si. Il y a forcément un lien entre les deux. Mais lequel? Minute. Où est passé Matthew? Continue de courir, je pense. Ah non, ça va, c'est... Quand ils sont passés comme ça, j'ai cru que c'était des cadavres qu'ils avaient enterrés, tu sais. Mais non, ça va, c'est juste des salades. Ouf. Je préfère des salades. Hein. Ah mais les potagers, c'est plus un potager, là, c'est... C'est carrément une plantation de compétition, là. De haut voltige. Matthew. Ashley. Il est où? Il aurait dû passer par là, mais... Il s'est carrément volatilisé. Et il m'a aussi semé. Pff, nul. Ah, c'est la même...
C'est le même symbole que sur la porte. J'ai vu ce blason quelque part. Mais dites donc, que fabriquez-vous? Hein? Ne bougez pas, vous deux. Vous êtes dans mon jardin. C'est une propriété privée. Je suis vraiment désolé. Mais que faites-vous ici? Quelqu'un qui... Comment ça, quelqu'un qui? Ça veut rien dire. On s'est perdu. On s'est perdu, nous nous sommes perdus. Perdu, oui. On se promenait, on a pris un mauvais chemin. Écoutez-moi bien. Le circuit de randonnée de Lake Juliet ne passe pas par ici. Mon jardin n'est pas une attraction touristique. Je n'enseigne pas non plus comment faire pousser les roses. Et je vois encore moins les fabrioles traditionnelles, régionales et de je ne sais quoi. Maintenant, dégarpissez de mon jardin. Allez, oust, psh, psh. Ok, allons-nous-en. Pas besoin d'être désagréable comme ça, madame, enfin. Je reconnais ce petit. Ah. Évidemment, si elle habite là depuis longtemps, Monsieur Lunette Noire s'est éclipsé. Et en plus, on s'est fait engueuler par une vieille mémé. Je suis crevé. Pareil, et j'ai faim et soif. Allons au restaurant. Ok, mais après, on ira voir la pollution sur l'ordi. Entendu. Allons-y. Allez, viens, Massiou. Ouais, je vais un peu rentrer dedans. Ouais. Paf, paf, paf. Allez, on va aller chez Bob. C'est une guitare. Oh, ils font un concert en plus. Incroyable. Ah ouais, ils savent jouer, hein. Si c'est le groupe d'Elisabeth et de Tommy. Et j'ai oublié le nom de la troisième. Il y a de la compétition, Ashley, là. Ah, c'est bien Tommy. Ah, moi et Janet. J'entends pas de batterie, moi, par contre. Hein. Ah, forcément, elle a pas de batterie. Lol. C'est comprend. Je comprends pourquoi j'en entends pas, il y en a pas. Je comprends pourquoi il y a pas de batterie. Lol. Allez. Bah pour le coup, il sait jouer, hein. Yo, Ashley. Coucou. Hey. Salut, c'est ici que vous répétez, enfin. Ouais, le proprio est sympa. Il nous a dit qu'on pouvait squatter ici entre deux services. Oh, cool. Vous jouez quoi, une de vos compos? Pas mal, hein. Génial, oui. Eh bien, c'est moi qui l'ai écrit. Et là, je t'ai aidé. Si, si. Ashley, j'ai faim. Mais qui c'est? Un ami à moi. Ashley, il travaille à l'accueil. Bob, le propriétaire du resto, est parti faire des courses. Oui, il travaille à l'accueil, c'est lui que t'as volé. Il devrait bientôt être de retour. Je crois pas qu'il t'ait reconnu. Phew. Et dans votre chanson, il y aura du chant? Oui, bien sûr. Le point fort du groupe, c'est le talent de Tommy à la guitare, et moi je suis une batteuse du tonnerre. Mais tu sais ce qui fait vraiment notre force? C'est la voix d'Elisabeth. C'est carrément notre arme secrète. La voix d'Elisabeth? Mais aujourd'hui, on l'a attendue des plombes et elle n'est pas venue. Trop la loose. On fait quoi, Tommy? On la cherche? Elle finira bien par se ramener. Mais la compète de musique aura bientôt lieu. Et on a besoin de temps pour enregistrer la démo. Ce serait-ce pas pour la compète, ok? Moi, je compte juste m'amuser et me créer un beau souvenir. Quoi? Mais pour moi, c'est du sérieux, je veux y aller à fond. C'est pour ça que t'as pas apporté tes batteries? Je répète chez moi. Trimballer une batterie, c'est un poil plus compliqué que de porter une guitare. Et puis, si on joue ensemble, tout le groupe doit venir, y compris Elisabeth. Pour le coup de la batterie, elle a raison. Ouais, je sais. La voix d'Elisabeth, je suppose qu'elle chante du coup, hein, évidemment. J'aimerais vraiment entendre Elisabeth chanter, si seulement elle était là. Elle n'est pas très sociable ces derniers temps. Non, c'est triste. Ouais, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Ouais. Normalement, c'est rare qu'elle rate les répètes. Tout a commencé quand on a enregistré la démo. Ouais, hein. Est-ce qu'il y avait quelque chose sur le MP3? Je l'ai croisé près du hangar à bateau avant. Je me demande. Et est-ce qu'elle évitait la répète? Peut-être. La compète de musique. Tu prends la compète au sérieux, pas vrai? Tu joues de la guitare, non? Tu as songé à t'inscrire? En fait, je me suis inscrite, au cas où. Haha, je le savais. Je sentais bien que tu pourrais pas résister. J'ai vu dans ton regard quand tu nous as vu jouer.
Ah ouais, tu as vu quoi? Ok, tu as bien vu. Je joue dans un groupe chez moi. Alors, quand je vous ai entendu jouer, toi et Tommy. Quoi? Tu es dans un groupe? Ouais, je joue de la guitare. Mais c'est trop classe. Tu trouves? C'est quoi ton groupe? On forme un duo guitare-clavier. Et c'est une fille qui est clavier? Non, un garçon. Il chante aussi. Oh, waouh! On a formé le groupe récemment. Et c'est qui? Il s'appelle Dee. Il compose la musique et j'écris les paroles. Je dois encore décider si je veux participer à la compète. Attends, le claviériste, c'est ton petit copain? Quoi? Non, pas du tout. Tu as des doutes concernant la compète? J'ai perdu confiance en moi, un petit peu. Je veux dire, Tommy est excellent. Je lui arrive pas à la cheville. Bien jouer, ça veut rien dire. Ça veut dire s'amuser, pardon, rien d'autre. Tommy, approche. Hein? Tu vas faire une compétition de musique? Oui. Les gagnants ont une chance de signer un contrat. Alors tu veux devenir musicienne pro? Ouais. Genre, sérieusement? Ben, oui, quoi. Enfin, sérieusement? Enfin, je crois. Et Ashley, viens voir. Qu'est-ce qu'il y a? Maintenant que tu sais que je participe à la compète, faut absolument que je t'entende jouer. Hein, Tommy? Juste une chanson. T'es partante, Ashley? Ouais, on aimerait bien manger d'abord, mais... Évidemment. Pas facile d'accepter après avoir entendu Tommy. Mais difficile de résister à une guitare quand j'en vois une. Ok, fais-toi confiance, tu vas y arriver. Tu as tout déchiré. D'accord, jouons. Bien dit. Vous me prêtez une guitare? J'en ai une en rab, là. Oh, tu as une guitare électrique? Je joue de l'acoustique, mais elle est équipée d'un micro. Une électro-acoustique, Des effets? Non. Elle n'aura pas du tout le même son que la tienne. Qu'est-ce que t'en dis? Tu t'en sortiras? Je tente le coup. Et oui, avec le piano, l'électrique, c'est peut-être un peu moins bien. Le seul moyen de savoir, c'est d'essayer, pareil. Pure attitude punk rock. Alors c'est parti. Enfin, on va dire moins dans le thème. On va devoir appuyer sur des boutons. Au bon moment, je suppose. Non. Bon, ça va, elle se débrouille. Carrément rassuré, même. Phew. Wow, tu t'es donné à fond, pas vrai? J'étais un peu stressé, un peu beaucoup même. Tu allais bien trop vite, Tommy. Wow, t'es pas mauvaise. Ah, t'es phénoménal, Tommy. Vous allez gagner la compète, c'est obligé. Merci, mais... quel est le problème? On a perdu la démo qu'on avait enregistrée pour la compète. Elle était sur le baladeur d'Elisabeth, mais elle l'a perdue. Évidemment qu'elle l'a perdue. On peut aussi la réenregistrer, mais elle vient pas. On n'avait jamais été aussi bon. Pourquoi elle veut pas participer à la compète? Est-ce que c'est un coup avec son père de la Jesse Valley qui veut pas qu'elle fasse de la musique? On peut pas juste la réenregistrer, c'est pas aussi simple que ça. Je sais. Tu penses qu'on ne rejouera pas aussi bien, et Elisabeth ne vient plus aux répètes. Pourtant, on pourrait vraiment se démarquer. C'est pour ça qu'on est ici à répéter, pour s'améliorer. Alors reprenons. Bien dit. Alors voilà où en sont les choses. Bob est de retour. Ah. On va pouvoir manger. Me revoilà. Il nous a manqué Bob. Sans Bob, pas de resto. Elle s'entraîne dur, mes futures stars du rock. Hey Ashley, sympa de te voir. Il paraît que vous tenez le meilleur resto du coin. En même temps, c'est le seul. Mais pourquoi tu dis pas bonjour à Matthew? Mais quand est-ce qu'on mange? Excusez-moi pour l'attente. Désolé gamin, je vais vous préparer un truc en deux temps, trois mouvements. Merci, je t'en prie. Vous avez l'air très sympa. Sympa? Qui, moi? Oui, vous. Vous laissez même Tommy et ses amis répéter ici. Je pense pas que la plupart des propriétaires de resto accepteraient. Bah, c'est trois fois rien. Regarde-les. Qui pourrait dire non à des bouilles pareilles? Il me rappelle ma jeunesse. J'étais un peu rebelle, mais j'avais des passions. Merci pour tout, Bob. Le meilleur moyen de me remercier, c'est de consommer. Ils ont perfectionné l'art de boire leur limonade goutte à goutte. Mais ils sont comme ça, on les changera pas. Qu'est-ce que tu as envie de manger, gamin? Un truc bon. Oh, alors je crois que j'ai pile ce qu'il te faut. Un croque-saumon, évidemment. Tous les clients en raffolent. J'ai encore jamais goûté de croque-saumon. C'est un filet de saumon frais entre deux galettes de riz. Ça a l'air bon, ça. Assaisonne notre sauce spéciale. Alors je sais pas ce que c'est la sauce spéciale, mais je suppose que c'est bon. Tes papilles n'en reviendront pas quand tu croqueras là-dedans. Ça a l'air délicieux, j'en prends deux. Tu arriveras à tout manger?
Je peux en avaler 8 si j'ai une faim de loup. Tu en avaleras 2 sans problème. Et pour toi, Miss, je vais juste en prendre un. Et 3 crocs qui marchent. Ils seront prêts dans un instant. Est-ce que mon père vient souvent ici? Ça, oui, le prof Robbins fait partie des habitués. Il passe souvent avec son pote, le directeur de JC Valley. Ah oui, carrément. Son pote. Oh, waouh, il est ami avec le père d'Elisabeth? Ils ont l'air de bien s'entendre. Regarde la table près de l'entrée. À côté du mur avec toutes les photos? Ouais, c'est leur table habituelle, ils regardent toujours les photos. Vu comment ils se marrent, ils doivent passer du bon temps. Waouh. Le professeur Robbins est sur une de ces photos, tu devrais aller voir. Chaud devant. On devrait aller voir, oui. Je vous présente le croque saumon. Ah, ça sent bon. Et ça a l'air bon. Bon app. C'était aussi bon que ça en avait l'air, merci beaucoup. Ouais, c'était trop délicieux. Il a bouffé les deux, ouais. Non, il en reste encore. Dis donc, Mathieu, tu devrais vraiment avoir faim. Un petit dessert avec ça? Non, merci, je vais éclater. Je vais regarder les photos. Ah, il se prend son deuxième repas. Il y a encore de la musique, les photos. Alors. Photo d'un homme. C'est Bob. Bob dans sa jeunesse? Une vieille photo? Oh waouh, c'est Bob, il est tellement jeune. Ce stand de restauration me dit quelque chose. Ah. Petit souvenir du stand. Merci. Oh, un plat japonais avec du saumon? Eh bien... J'adore les boulettes de riz au saumon. Hey, il vendait déjà du riz au saumon, c'est cool. Dans sa petite roulotte, et maintenant il a un gros restaurant, c'est bien. Je viens de me souvenir, ma mère a acheté à manger à ce stand. C'est moi il y a longtemps. J'étais pas mal à l'époque, hein. De quand date la photo? C'était avant que j'ouvre le resto, donc d'à peu près 13 ans. 13 ans. Avant d'ouvrir mon palace, j'avais un stand de restauration. C'était pratique pour vendre mes sandwichs. Je pouvais m'installer là où se trouvaient les touristes. Je bossais tous les jours. Et après? Eh bien, mes sandwichs avaient un peu de succès. Mais il leur manquait quelque chose de spécial. Ils m'en restaient toujours sur les bras. J'ai réfléchi et j'ai trouvé ce qui n'allait pas. Il me fallait une spécialité. Un plat incontournable. Oh, je sais. Vous parlez du croque saumon, pas vrai? Bingo. Bien sûr, je n'ai pas créé ce chef-d'œuvre tout seul. L'histoire est marrante, en fait. Il m'a été inspiré par une cliente. 100%, c'est la mère d'Ashley. Elle m'a donné l'idée qui a fait naître mon chef-d'œuvre. Une cliente? Comment ça? Qui était cette cliente? Une touriste qui était venue voir la statue de la sirène. Maintenant que j'y pense, elle avait les mêmes yeux que toi. Elle était accompagnée d'une petite fille. Bah oui, bah c'est ça, c'est bien ça, Yoko. Elle avait rendez-vous avec une vieille connaissance au clocher. C'est louche, ça. Une cliente vous a donné une idée? Ouais, une idée géniale. Je me demandais comment utiliser le saumon que j'avais pêché dans le lac. Je voulais en faire une spécialité. Oula, du saumon pêché dans le lac avec du polluant dedans? Aïe. Mais à l'époque, je ne savais faire que les sandwichs. J'ai fait quelques essais de sandwichs au saumon, mais le résultat n'était jamais satisfaisant. Or, je me creusais la cervelle, une femme est arrivée au stand. Elle m'a dit être japonaise et je lui ai demandé si elle connaissait une recette de saumon sympa. Elle était japonaise et je n'oublierai jamais ses paroles. J'adore les boulettes de riz au saumon. Elle m'a expliqué que c'était une boule de riz fourrée au saumon. Et là, ça a fait tilt dans ma tête. Peut-être que le saumon se marie mieux avec le riz qu'avec le pain. Alors pourquoi ne pas utiliser des galettes de riz? Après, j'ai dû trouver comment préparer le poisson. Et après quelques ratés, le croque-saumon est né. Quelle histoire! C'est sûrement maman qui a inspiré Bob. Mais avec qui elle avait rendez-vous au clocher? Une vieille connaissance? Qui ça pouvait bien être? Ouais, par contre, si le saumon il est pêché dans le lac, alors que le lac est pollué... Aïe! Ça donne pas très envie, ça. Des photos encadrées au mur... Faisait de la guitare aussi, Bob. Mais on comprend mieux, du coup, pourquoi. Le patron aussi... Enfin, le directeur de JC Valley aussi faisait de la guitare. Et le père faisait du piano. C'est bien la première fois que je vois papa rigoler. Tous les trois, on est devenus potes le jour où on s'est mis à causer musique. Causer musique. Maintenant, on pêche ensemble. Comment ça? Vous parliez musique. Mon père s'intéresse à la musique. Il adore ça, même. Il voulait devenir pro dans sa jeunesse. Il se défend au piano, tu sais. Non, je savais pas. J'arrive pas à croire qu'il fait du piano. Il m'a dit qu'à une époque, il jouait du clavier dans un groupe de rock. Rex et moi, on était fous de guitare, comme Tommy. On avait des conversations enflammées en ce temps-là. Alors on a essayé de jouer ensemble. Non, c'est vrai? Pourquoi mon père m'a caché ça? Et oui, c'est vrai ça, pourquoi?
Vous allez souvent à la pêche avec mon père? Oh oui, on fait ça très souvent tous les trois. Je leur ai tout appris. Bien entendu, ton père et Rex sont encore des débutants. Mais ça ne les empêche pas de s'amuser. Je savais pas du tout. Incroyable. Moi qui m'imaginais papa passer ses journées tout seul dans son labo blafard. Mais il faut croire qu'il a aussi des amis comme tout le monde. Ah, c'était trop bon. Alors gamin, c'était à ton goût? Carrément, le meilleur sandwich de ma vie. Je voudrais pas le poisson, c'était toujours aussi bon. Ça fait plaisir. Aïe. Y a un agent... Y a une drogue dans le lac. Ça, on y va, Matthew? Ouais, je me sens bien mieux. On repasse bientôt, Ashley, entendu? Entendu. Et Tommy, Janet, faut que j'y aille. A plus, Ashley. A plus. Bonne répète. Merci. Pim-pa-pam. Vite, retourne au cottage de ton père. Ok, utilisons son ordinateur pour analyser le polluant. Yes, et nous ferons ça dans le prochain épisode. On va s'arrêter là pour celui-ci, on se retrouve donc un peu plus tard dans la semaine pour la suite. Ciao, ciao tout le monde.